c'était une surprise parce que je savais même pas que ça existait, ça. J'ai su après que Martin l'avait eu les années d'avant et c'est un grand honneur, ça récompense toute une saison et puis ça donne encore plus envie pour la suite, voilà. Bah, ça s'est pas passé comme je voulais, j'ai passé un été plus que moyen. Le mois de juillet, j'ai presque rien fait, donc ça s'annonce pas comme je voulais pour cet hiver, mais voilà, ça va de mieux en mieux, ça va dans le bon sens. Donc voilà, j'y crois et on va tout faire pour que ça se passe bien cet hiver. Voilà. C'est plus une arme pour des fois un peu se cacher, parce que je me fais quand même du souci, faut pas croire. Ça n'a pas été facile cet été, mais voilà, justement, faut pas douter, parce que sinon ça marche pas. Donc j'essaye de garder espoir et puis ça va dans le bon sens, donc voilà, faut garder ça et voilà. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux le vivre en souriant qu'en faisant la gueule, voilà. Ah bah, c'est clair, on a déjà cet hiver, je pense que ça nous a beaucoup aidé, on avait un bon groupe, on se tirait toutes vers le haut et cet été ça a continué comme ça. Tout le monde a du potentiel et on se soutient toutes. Donc non, c'est vrai que c'est une bonne équipe qui mène vers le haut, on va dire. Ah bah, c'est mon objectif de la saison. En plus, ça tombe bien, c'est un peu plus tard dans l'hiver. Donc même si j'ai pas fait une préparation très optimale, voilà, enfin, en mars, ça devrait aller normalement. Donc puis Oslo, c'est vraiment un site d'exception, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai hâte, ça va être génial.